Ben bonjour mes poulets et mes poulettes, c'est Jay Bouledier des Productions Bouledier qui vous offre encore une fois une petite joie de mon quotidien. J'aimerais ça commencer ça aujourd'hui en vous disant un hostie de gros merci parce que vous êtes honnêtement une de mes joies de mon quotidien. Je suis rendue à 5000 vues sur YouTube. Je ne sais même plus à combien je suis rendue sur Facebook. C'est dans les au-dessus de 10 000. Donc c'est ça, un très gros merci de regarder mes conneries. Mais bon, allons au sujet du jour, le truc d'aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, il y a toutes sortes de petites choses que, à part nous amener une petite mini source de bonheur, même si c'est un petit peu inconsciemment, ben ça nous apporte pas vraiment grand-chose. Sauf que, il faut n'en profiter, c'est gratuit. Encore une fois, je m'explique. Premier exemple, la bouteille de bière. C'est sûr que d'en boire une petite frette après une journée d'ouvrage, c'est agréable. Mais, moi je parle de la bouteille en tant que telle. Oh yeah! Vous savez qu'est-ce que je veux dire là, hein? Arracher l'étiquette. Ça sert à fuck all! Fuck all! Pis souvent, on fait ça inconsciemment, là, t'es en train de jaser et quelqu'un, pis tu gosses ton étiquette, là. Mais c'est comme plus fort que toi, faut que tu l'arraches, là, l'étiquette! Pis c'est la même affaire avec les lighters! J'ai pu un lighter qui a encore un sticker après. Puis là, c'est pas juste d'enlever le sticker, là. C'est de frotter la colle qui reste après aussi, là. Ça y est pas, je sais que je suis pas toute seule à faire ça, OK? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Fuck all! Mais c'est le fun! Puis comme la bouteille de bière, ben, après ça, une fois que c'est fait, là, tu sais, pire en chose à faire avec ça. C'est pour ça qu'il faut en profiter pendant que ça passe. Appréciez le moment présent. Appréciez votre arrachage d'étiquette. Puis là, bientôt, ou si c'est pas déjà fait, c'est la rentrée scolaire. Puis, rentrée scolaire égale effet scolaire flambant neuf. Hein? Vous le savez toutes autant que moi, qu'est-ce que vous avez le goût de faire avec ça? Oh, le step up pas! What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, une efface qui pète pas? Les fuckers, ils ont pensé à tout, man! Tout pour gâcher notre bonheur! What the fuck? Cochonnerie. Ouais, mais ça a comme scrappé ma journée, ça, là. Non, mais sérieux, on a-tu pété des effaces en deux au début de l'année quand on allait à l'école? Hein? Pis à cette heure qu'on est grand, dans pas mal tous les milieux de travail, on retrouve une substance super le fun qui s'appelle le bubble wrap. Tu sais, la petite feuille de plastique mou, pleine de bubules, de toutes sortes de grosseurs, ça vient dans tous les formats. Que c'est juste plus fort que toi, faut que t'es pète, genre. J'en ai pas. Ça me prend du bubble wrap. Je veux du bubble wrap. Bubble wrap. C'est juste plus fort que toi, faut que t'es pète, les hosties de bubules, là. Ça peut taper ses nerfs des autres. On s'en calisse! C'est le fun! Donc là, je vous ai énuméré juste quelques petits exemples. Pensez-y un peu. Je suis sûre que dans votre vie de tous les jours, inconsciemment ou peut-être même consciemment, il y a des petites choses comme ça que vous faites, des petites habitudes comme ça, là, qui vous apportent des petits bonheurs dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est de savoir apprécier le moment présent. OK? Sur ce, mes amis, je vous dis ciao et bon quotidien. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mon channel sur YouTube ainsi qu'à ma page sur Facebook.